Salam alaikum à tous. Malgré notre foi, malgré notre savoir et nos connaissances, il y a toujours des périodes où notre foi s'affaiblit. Des moments où nous avons des baisses de foi. Pourquoi ? Pourquoi avons-nous ces baisses de foi ? Il y a principalement deux raisons, mes frères et sœurs. La première est qu'au fil du temps, nous avons tendance un peu à oublier, s'habituer sans renouveler notre foi. Allah le précise bien dans le Coran, « Certes, par le temps, l'homme est en perdition. » Alors, quelle est la solution ? Les rappels. Écoutez des rappels. Car certes, le rappel profite aux croyants. Donc, quand vous avez vu ou entendu un rappel, n'hésitez pas à le revoir un peu plus tard. Car c'est toujours bon de rentendre les choses. Allah lui-même se répète plusieurs fois dans le Coran. Car dans quelque chose où il y a beaucoup d'informations, on ne peut pas toujours tout retenir d'un coup. Alors que le fait de recevoir plusieurs fois ces mêmes informations nous fait nous en souvenir. Et de ce fait, on l'applique généralement bien mieux. La deuxième principale raison qui fait que nous avons des baisses de foi est notre époque aujourd'hui. Alors que voulons-nous dire par là ? Nous voulons dire par là qu'à notre époque, nous sommes bombardés constamment de choses qui nous éloignent de l'islam. Et ces choses qui nous égarent sont bien plus proches que ce que vous pensez. Ces choses sont même dans vos propres maisons. N'est-ce pas l'ordinateur qui vous pousse à commettre le péché de la masturbation, à faire de mauvaises rencontres ? N'est-ce pas la télé dans vos salons qui vous influence et influence vos proches ? À un point où vous arrivez même à vous poser des questions sur votre foi ? Non-stop, nous sommes attaqués par les tentations de notre monde, par ces grands fléaux qui s'immiscent dans notre propre quotidien et qui nous poussent à plus aimer cette vie d'ici-bas à la vie de l'au-delà. Maintenant, nous allons venir un peu plus en détail sur ce sujet et montrer que malgré leurs stratagèmes et tous leurs moyens pour nous éloigner de la religion de notre Créateur, ils n'arriveront jamais à rien. Car Allah protège et guide les musulmans. Il guide ceux qui souhaitent rester sur le chemin droit, ceux qui espèrent sincèrement en la rencontre de leur Seigneur. Allah nous a donné toutes les solutions à travers son livre sacré et à travers le meilleur des exemples à suivre, notre bien-aimé prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous appliquez sincèrement ce qui va suivre dans cet épisode, vous n'aurez normalement presque plus de baisse de foi, Inch'Allah. Vous serez fort et ferme dans votre cœur. Vous saurez quoi faire. Vous aurez les solutions. Les solutions face au fléau d'aujourd'hui. Face au fléau d'aujourd'hui. Face au fléau d'aujourd'hui. Beaucoup de gens musulmans continuent quand même, malgré leur foi, à commettre des péchés, et parfois même des péchés majeurs. Par exemple, la fornication. Pour rappel, la fornication est le fait d'avoir des rapports avec une femme ou un homme à qui on n'est pas marié. Nous savons tous que toucher une femme qui n'est pas la nôtre, et donc à qui nous ne sommes pas mariés, est strictement interdit. Et pourtant, beaucoup de monde commettent quand même cet acte, car c'est tellement devenu une mode de nos jours. Quel est le grand slogan d'aujourd'hui que l'on entend partout ? C'est « on n'a qu'une vie, il faut en profiter ». Ah oui, ça, on l'entend partout. En gros, on n'a qu'une vie, alors lâchez-vous, devenez des animaux, couchez avec cette fille, demain cette même femme couchera avec un autre homme, mais c'est pas grave, peu importe, on n'a plus de morale, on ne pense qu'à se faire plaisir physiquement. On n'a qu'une vie, il faut en profiter. Eh bien mes frères et sœurs, moi je vous dis plutôt, on n'a qu'une mort et il faut s'y préparer. On n'a qu'une mort et il faut s'y préparer. On n'a qu'une mort et il faut s'y préparer. De plus, que cela devient comme une drogue après. Vous ressentez le plaisir pendant quelques minutes sur le moment et après hop, c'est le vide. Avant de le faire, vous avez très envie, et une fois fait, vous regrettez généralement. Pourquoi ? Parce qu'avant de le faire, vous ne réfléchissez pas avec votre tête. C'était votre passion qui vous dominait. Seulement, une fois le désir assouvi, c'est votre raison qui reprend le dessus, et là, vous vous dites que c'est mal. Puis avec le temps, l'envie se refait sentir, et vous souhaitez recommencer, car de nouveau, votre passion reprend le dessus sur votre raison. Et mes frères et sœurs, jamais vous ne réussirez quoi que ce soit si c'est votre passion qui prend le contrôle. Rappelez-vous que c'est la raison qui nous garde pieux et droit. C'est votre tête qui vous préserve de la turpitude. Ne soyez pas des animaux. Vous n'êtes pas des animaux. Nous avons la raison, il faut s'en servir. Allah donne la solution dans le Coran et regardez à quel point il explique cela d'une manière extraordinairement parfaite. Il dit, chapitre 17, verset 32, « Et n'approchez point la fornication, en vérité c'est une turpitude et quel mauvais chemin. » Allah aurait pu dire « Ne commettez pas la fornication ». Mais non, il dit « N'approchez pas la fornication ». Et ça, c'est très intéressant, mes frères et sœurs. Car comme vous avez vu dans l'épisode 3 de la saison 3, quand Allah parle, c'est toujours de la manière la plus parfaite possible. Nous allons donc vous expliquer. Quand par exemple, vous commettez la fornication, vous couchez avec quelqu'un, généralement, ça ne se fait jamais comme ça. Vous allez d'abord rencontrer la personne, et puis ça va commencer par ces quelques mots échangés, puis on se donne nos numéros, puis on s'appelle, on s'écrit des SMS, on s'organise une soirée, on va au resto, puis vient le soir où on se retrouve seul dans l'appartement, et là, vous finissez par commettre l'acte. Mais avant l'acte, il y a donc eu toutes ces petites approches mauvaises qui vont vous conduire à l'acte lui-même.
Et c'est ça qu'Allah veut dire par « n'approchez pas la fornication ». C'est en fait « ne faites rien qui pourrait vous en approcher ». Avant l'acte lui-même, il y a toujours ce petit périmètre qui va vous attirer dans le piège. Le fait de parler, d'échanger les numéros, etc. Donc Allah vous donne la solution. Stoppez dès le départ. Il ne dit pas « commettez pas la fornication », mais « n'approchez pas la fornication ». Car quand on commence juste à parler avec quelqu'un du sexe opposé, on se dit « ce n'est pas très grave, on ne fait que parler ». Et puis après on échange de numéros, en disant « ce n'est qu'un numéro de téléphone ». Mais en réalité, mes frères et sœurs, par là, on cherche à se justifier, c'est tout. Car on est déjà pris dans l'engrenage qui va certainement nous amener à commettre ce péché majeur qu'est la fornication. Ou on souhaite faire sa vie avec la personne parce que c'est une personne pieuse, qu'elle nous plaît mentalement et physiquement, et donc on souhaite se marier. Ou alors, si ce n'est pas le cas, on ne joue pas avec. Pourquoi vous lui parlez si vous ne souhaitez pas vous marier ? Vous voulez vous amuser avec cette personne ? Profiter du corps de l'autre pour le délaisser après, tel un simple morceau de viande ? Êtes-vous sans morale ? Un cœur, mes frères et sœurs, on en prend soin, ça ne se brise pas, ça ne se brise pas, ça ne se brise pas, ça ne se brise pas. Alors comme nous vous le disons, les solutions, Allah les donne dans le Coran. Vous voyez, il nous la donne pour ne pas tomber dans le piège, afin qu'aucun être humain souffre de cela. Mes frères et sœurs, sachez que la fornication ne se commet pas que par l'acte. La fornication peut aussi se commettre par les yeux. Elle est certes moins grave, mais ça reste un péché. On ne doit pas regarder des femmes nues sur des sites pornographiques, regarder des femmes en petite tenue dans la rue, etc. Et bien évidemment, idem pour les femmes. Vous ne devez pas regarder d'hommes s'ils ne sont pas vos maris. Souhaiteriez-vous que votre femme ou votre mari passe son temps à regarder et désirer d'autres hommes ou femmes que vous ? Non ! Une fois mariés, vous vous êtes promis l'un à l'autre, vous ne formez plus qu'un. Vous vous réservez uniquement l'un à l'autre. Vous vous réservez uniquement l'un à l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et l'œil commet la fornication, et sa fornication est le regard illicite. Et la langue commet la fornication, et sa fornication est la parole illicite. Et le pied commet la fornication, et sa fornication, c'est les pas vers l'illicite. » Donc quand vous parlez à une femme qui n'est pas la vôtre dans l'espoir de faire des mauvaises choses avec elle, alors déjà là, vous trompez votre épouse. Et idem dans l'autre sens, quand une femme parle à un homme. Ou bien, si vous vous rendez quelque part dans l'espoir de trouver quelqu'un pour tromper votre femme, c'est pareil. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que vous pouvez commettre la fornication par les yeux ou les pieds. Certes, ce n'est pas la fornication des mains, mais quelque part, vous trompez quand même votre conjointe en posant le regard sur d'autres femmes, en allant en chercher d'autres, etc. Donc l'œil peut commettre la fornication. Et sache que ton cœur est le miroir de tes yeux. Lorsque tu baisses ton regard devant ce qu'Allah t'a interdit, le cœur baisse également ses passions. Et lorsque tu lâches ton regard, alors ton cœur lâche également ses passions. Il faut être fort, mes frères et sœurs. Je vous rappelle que notre corps ne nous appartient pas. C'est Allah qui nous l'a donné. Avez-vous payé pour avoir des mains, pour avoir des yeux, une langue, etc. ? Non. Allah aurait pu nous créer par exemple sans yeux et sans oreilles, et puis nous demander de faire 500 prières, et au bout de ces 500 prières, on aurait eu les oreilles, et puis faire ensuite 1000 prières, et après celles-ci, il nous aurait donné les yeux. Mais non, tout nous a été donné gratuitement, et nous, nous nous permettons quand même de ne pas être reconnaissants. Et en plus de cela, nous agissons tels des enfants en jouant avec notre corps, en fumant, buvant de l'alcool, en touchant des femmes ou hommes qui ne sont pas nos maris ou épouses, etc. Stop. Il y a ce moment où il faut vraiment prendre conscience de tout ça. Qu'allez-vous dire au jour du jugement ? Attention, sachez bien qu'au jour de la résurrection, tout témoignera avec ou contre vous. Chaque partie de votre corps sera un bien ou un mal. Vous serez obligé de dire la vérité, de dire qu'est-ce que votre langue a dit, de dire qu'est-ce que vos mains ont touché, qu'est-ce que vos oreilles ont écouté, où est-ce que vos jambes vous ont mené, jour après jour de toute votre vie ici-bas. Croyez-moi, ce jour-là, ce ne sera pas une partie de plaisir. Le prophète a déclaré « Ne vous mettez pas dans une situation où vous devrez rendre compte de votre négligence à Allah. Alors dès maintenant, changez et comportez-vous de la meilleure manière possible. Prenez toujours très soin de votre foi. Votre foi est comme une flamme. Si elle est prête à s'éteindre, ravivez-la avec des rappels, jusqu'à ce que celle-ci redevienne intense. De plus, que votre vie deviendra bien meilleure. Croyez-moi, plus on a la foi, plus nos problèmes nous semblent minimes. Et moins on a la foi, plus nos problèmes nous semblent être des montagnes. Quand on a la foi, on relativise toujours, on accepte ce qu'Allah nous donne, même quand c'est un mal. Car par ce mal, il y a peut-être une guidance, un bien derrière. Qui, hormis le croyant sur terre, va dire « Alhamdulillah, louange à Allah » quand un mal le touche ? Toute personne non-croyante va se plaindre, crier, etc. Et le croyant, lui, va rester calme, va réagir de manière intelligente. Va se dire « Alhamdulillah, si Allah a voulu cela, c'est que ça doit être un bien pour moi. Peut-être que cela m'effacera des péchés. » Car comme il a été dit dans le bonus 2 de la saison 3, quand un mal touche un musulman, des péchés lui sont effacés. Regardez à quel point l'islam est beau et parfait.
comment grâce à Allah, un musulman va réagir intelligemment, va toujours rester calme face à un problème, contrairement aux autres qui, dès qu'un mal les touche, vont s'apitoyer sur leur sort, se plaindre, s'énerver, etc. Allahu, 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 Allah, Allah. Dans l'islam, dans les cœurs purs des musulmans, il n'y a pas de ça. Pourquoi ? Car notre confiance est vouée à notre Créateur. Et énormément de gens pauvres, musulmans, sont bien plus heureux que des riches non-croyants, qui ne passent leur temps qu'à toujours en vouloir plus, qui ne traînent qu'avec des gens qui ne sont intéressés que par leur argent. Et finalement quoi ? Très souvent, ces riches se suicident. C'est incroyable le nombre de gens riches qui avaient tout et qui se sont suicidés. Et à leur enterrement quoi ? Eh bien, il n'y avait presque personne. Car personne ne les aimait vraiment, ils ne les aimaient que pour leur argent. Alors que quelqu'un de modeste et pieux et qui est aimé par ses proches aura une vie bien plus belle, car Allah met la quiétude dans son cœur. Allah ne mettra jamais la quiétude dans le cœur d'un non-croyant. Certaines personnes sont tellement pauvres que la seule chose qu'ils ont, c'est de l'argent. Et certaines personnes sont tellement riches que la seule chose qu'ils ont, c'est l'amour d'Allah. Sachez mes frères et sœurs que l'être humain fonctionne par habitude, c'est-à-dire que quand vous commettez un péché sans arrêt, il est toujours très difficile de l'arrêter au début. C'est en fait au début que le gros effort doit être fourni. Pourquoi ? Parce que vous étiez habitué à ce péché. Mais une fois que vous allez vous habituer à ne plus le faire, alors pas de souci. Car ça y est, votre corps ne vous réclamera plus de faire ces mauvaises choses. Donc vraiment, donnez-vous à fond au début. Ça sera certes difficile, car votre cœur est encore imprégné de ces mauvaises choses, mais une fois lavé, vous verrez que ce ne sera pas si difficile que ça. Mais c'est à vous de faire l'effort au début. C'est comme envers Allah. Allah a dit « Faites un pas vers moi et j'en ferai 10 vers vous ». Mais faut-il encore déjà en faire un vers lui, vous comprenez ? Mes frères et sœurs, je vous explique une autre chose qui nous éloigne énormément de notre religion, quelque chose de très important. Ce sont nos fréquentations. Il est presque impossible d'être pieux dans l'islam si nos fréquentations sont mauvaises. Passez votre temps avec des gens qui ne pratiquent pas et qui vous poussent à pécher, au bout d'un moment, vous risquez forcément de tomber dans le piège. De plus, que ce n'est pas encourageant de pratiquer seul alors que les autres ne le font pas. Par exemple, vous êtes dans un groupe de 4 ou 5 personnes et à chaque fois que c'est l'heure de la prière, vous êtes le seul à les prier. Au bout d'un moment, vous risquez de délaisser. Alors que si vous êtes qu'avec des musulmans, quand tout le monde se met à prier, bien évidemment, cela vous motive et vous allez faire pareil. C'est comme si, imaginez que vous demandez à votre ami qui est fumeur de ne plus fumer, mais vous, vous passez votre temps avec vos proches à fumer devant lui. Comment voulez-vous alors qu'il arrête de fumer ? Ce sera presque impossible pour lui, car il sera constamment entouré par ce péché. Alors que si votre ami fumeur passe son temps avec des gens qui ne fument pas, il sera le seul, et les gens lui conseilleront de ne pas fumer. Il y aura donc bien évidemment beaucoup plus de chances qu'il réussisse à arrêter. Vous voyez, il faut être entouré d'exemples. Croyez-moi, les fréquentations nous influencent bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Et d'ailleurs le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a bien dit. Il a déclaré, l'être humain suit la religion de ses amis, alors que chacun de vous choisisse avec soin ses amis. Alors que chacun de vous choisisse avec soin ses amis. Nous ne disons pas que vous devez délaisser vos amis si vous en avez qui ne sont pas musulmans, mais essayez de passer le maximum de temps avec des gens qui vous rapprochent de l'islam. Car passer du temps avec ceux qui vous en éloignent ne fera que vous guider vers l'égarement. Cette société nous aveugle et nous pousse à l'égarement. Il faut sans cesse se rappeler pourquoi nous sommes là. Je terminerai maintenant sur cela. Sachez que c'est bien souvent les péchés que l'on commet fréquemment qui nous éloignent le plus de l'islam. C'est-à-dire que les péchés que vous commettez une ou deux fois, puis par la suite vous vous repentez, ne vous éloigneront généralement jamais beaucoup. Mais méfiez-vous des péchés dont vous ne pouvez pas vous passer. Écoutez cela attentivement mes frères et sœurs, car c'est très important. Allah dit dans le Coran qu'un seul péché peut nous donner l'enfer éternel. Un seul péché. Il parle là du péché que l'on commet sans arrêt, celui que l'on va commettre toute notre vie. Vous pouvez commettre des milliers de péchés différents, si un jour vous arrêtez de le faire pour Allah, cela montre donc qu'Allah compte plus que ce péché à vos yeux, car vous avez stoppé un jour de le faire pour lui.
Mais si vous persistez à commettre un péché précis, comme si c'était devenu une divinité à quoi vous êtes soumis, cela veut dire que dans votre cœur, ce péché est plus important qu'Allah. Et là, mes frères et sœurs, ça devient de l'association, le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Car si pour plein de péchés, vous finissez par arrêter un moment, c'est qu'Allah est le plus important. Mais si par exemple, un alcoolique arrive à stopper tous ses péchés, sauf l'alcool, et qu'il se dit « Non, je peux tout arrêter pour Allah, mais pas l'alcool. Ça, je peux pas, c'est trop important pour moi. » Alors à ses yeux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'alcool est la priorité sur Dieu. Allah est celui qu'il vénère, mais il préfère encore plus l'alcool, puisqu'il ne peut pas s'empêcher d'arrêter, vous comprenez? Idem pour quelqu'un qui fume ou qui commet la masturbation, peu importe. Vous pouvez faire ses péchés 1000 fois et un jour arrêter, et donc être peut-être pardonné par Allah, mais si toute votre vie, pour un péché précis, vous vous dites « Non, ce péché-là, je ne peux pas l'arrêter », alors rendez-vous compte, ça veut dire que vous placez cet acte devant Allah. Vous l'adorez encore plus qu'une divinité à vos yeux. Alors je vous le dis, prenez garde à ça. Des milliers de péchés différents peuvent être pardonnés, mais ne placez rien devant Allah. Mais ne placez rien devant Allah. Mais ne placez rien devant Allah. De plus, ça veut dire que finalement, ce n'est plus tellement l'islam, votre religion. Vous la changez, vous l'adaptez avec votre péché que vous ne voulez pas arrêter. Ça va être votre propre religion. Vous arrêtez de faire plein de choses, mais ce qui vous arrange pas, non. Vous continuez à le faire. Donc, vous arrangez la religion à votre propre goût. La religion, elle a été donnée par notre Créateur. On ne la modifie pas, mes frères et sœurs. Certes, c'est parfois dur, mais il faut être endurant et demander à Allah de vous guider. Lisez le Coran, écoutez des rappels, etc. Allah donne les solutions dans le Coran au fléau d'aujourd'hui. Vous voyez la manière dont il parle. Allah dit dans le Coran de méditer sur ces versets. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Méditer, ça veut dire y réfléchir sérieusement. Se dire, tiens, pourquoi Allah dit cela comme ça? S'il l'a dit de cette manière, c'est qu'il y a une raison. Regardez quand il dit, n'approchez pas la fornication. Il le dit de cette manière pour ne pas tomber dans le piège de tout ce qui va nous y amener. Mais si vous lisez le verset sans méditer, vous ne comprenez pas forcément que Allah veut dire par là qu'il ne faut pas commettre les actes qui vous rapprochent de la fornication. Je suis sûr que beaucoup de gens qui lisent le Coran, à beaucoup de moments, n'ont pas compris le sens de certains versets, car ces personnes ont lu rapidement, sans méditer. Prenez le temps, mes frères et sœurs. Le Coran est un trésor, cela doit être un plaisir à lire. Et il est la solution, avec la sunna du prophète, aux grandes tentations de ce monde, au fléau d'aujourd'hui.